bonjour à tous et bienvenue dans ce Jade Découvre consacré à Weird West. Alors Weird West, c'est j'ai 2 heures de jeu à peu près dessus. Je voulais pas vous montrer depuis le tout début parce que je pense qu'il y a déjà pas mal d'autres mondes qui l'ont fait, donc je voulais aller un petit peu plus loin dans la partie. C'est un jeu, c'est pas tout à fait un jeu de rôle, bien que notre personnage principal, on peut pas vraiment le sélectionner, l'histoire est un petit peu imposée dès qu'on lance une nouvelle partie. On a la capacité de s'acheter de nouvelles compétences et de débloquer des talents. D'ailleurs, on doit récupérer des objets comme des as d'or par exemple pour débloquer des nouveaux talents. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et on a des quêtes à faire. On est dans un monde, donc on est dans un monde de l'Ouest, quoi, de la conquête de l'Ouest, mais avec une dimension très occulte, avec des bestioles bizarres, de la magie, voire même de la technologie qui est pas censée exister à ce moment-là, on va dire. Parce que genre, on a, si je regarde dans mon inventaire actuellement, alors je joue à la manette, c'est plus pratique honnêtement. On a débloqué, tiens, j'ai récupéré une statuette maudite, je l'avais pas vue, le relais crypté, et ça c'est un relais portable, c'est une espèce de talkie-walkie qui permet d'être contacté à distance. Ce qui, je pense, à l'époque, devait pas trop bien exister. Donc, en bas à gauche, on retrouve les consommables qu'on peut utiliser. Donc, si j'appuie vers le haut, ça va me soigner. Si j'appuie à droite, ça me soigne du poison. Si j'appuie en bas, ça régénère ma barre violette qui se trouve en bas à droite. Donc, la barre violette en bas à droite, c'est une barre d'action. Et en fait, comme j'ai, c'est plus un jeu d'action RPG que RPG pur. Donc, par exemple, si on regarde ici, ça, c'est les armes que j'ai actuellement. Donc, les munitions sont comptées. Donc bien entendu, si on n'a plus de munitions, on ne peut plus utiliser une arme. Donc actuellement, j'utilise la carabine. Et si par exemple, pendant que je suis en combat comme ça, donc vous voyez, je dois cibler les personnes qui sont en face de moi. Alors il y a une petite aide à la visée, honnêtement. Je ne sais pas si elle peut se changer dans les options. Mais quand tu joues à la manette, elle est assez indispensable, honnêtement. Parce que les mecs, ils bougent, ils sont pas forcément faciles à toucher. Et le truc bouge vite. Et comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai des trucs qui sont affichés en bas à droite. Si j'appuie sur B par exemple, on va le faire, c'est genre par exemple, vous voyez, je suis planqué là, il y a un mec en face pour un combat. Je saute. Alors, vu qu'on n'était pas vraiment en combat, ça l'a pas pris en compte. Mais en fait, ça permet de faire des espèces de sauts en bullet time par exemple. Et sinon, après, j'ai un pouvoir qui s'active. Ah merde, je viens d'activer mon élixir du 6ème sens. C'est pas ce que je voulais faire. Non, pardon, parce que, ok, c'est ça qu'il fallait faire. Voilà, si je veux activer ce truc là, ça me permet de faire des tirs silencieux avec mon arme. Bon, là on retrouve un peu les bestioles qu'il y a dans le coin. En fait, je suis à un endroit où j'ai récupéré une carte au trésor et j'ai déterré dans une tombe du coup un trésor. Mais on pourrait déterrer par exemple une autre tombe si je veux voir celle-ci. On peut creuser, il faut avoir une pelle dans son inventaire. Bon, on trouve une pelle dès le début de la partie dans l'inventaire. Et donc si je fouille, je trouve des os, de la poussière irisée, un crâne et un fer à cheval par exemple. Donc c'est des choses que je peux peut-être aller revendre par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de cette zone parce qu'on est terminé. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous montrer la carte du monde. Donc, ce jeu a un côté un peu, honnêtement, qui me rappelle Baldur's Gate sur certains aspects. Donc là, on a la carte du monde pour l'instant. Donc, je suis venu ici récupérer le trésor. Ici, j'ai dû faire un job de prime. C'est-à-dire que dans la ville, en fait, j'ai trouvé une chasse à prime à faire, quoi. On peut s'arrêter à peu près où on veut dans les étendues sauvages pour camper sur place, pour chasser et cuisiner de la nourriture par exemple si on a besoin de se soigner. Il y a des rencontres aléatoires quand on se balade sur la carte. Il y a toute une histoire bien entendu où je vais vous faire un très rapide résumé. En fait, notre personnage était une chasseuse de primes qui a décidé de se ranger, se marier, avoir un enfant. Il y a une espèce de famille de pseudo-cannibales slash occultistes qui sont venus tuer l'enfant et kidnapper le mari. Donc du coup, on part les poursuivre jusqu'à leur quartier général slash plutôt, enfin c'est pas vraiment leur quartier général, ça doit être plutôt un avant-poste pour essayer de trouver notre mari. Et on l'a pas trouvé là-bas, on a tué tout le monde par contre. Et on a trouvé du coup un message à décoder et il me faut 300$ pour décoder le message et je les avais pas. Donc ici on a une ville, ce qu'on va faire c'est qu'on va y voyager. Et donc voilà, sur la route on peut, alors quelqu'un nous suit, tiens, alors on va voir. Donc du coup ça nous envoie dans le monde de jeu normal, on va voir. Est-ce que c'est un hostile? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Sirène hurlante. Oula, donc comme je l'avais dit, il y a des créatures bizarres dans ce jeu. Vous défendre avec la violence, oui. Là, vous voyez, j'ai utilisé le truc pour faire le... Oh putain. Le problème, c'est que je sais pas quels sont. Je vais me soigner. Je vais essayer de me mettre un peu à couvert. Ah, alors j'ai une... Alors vous voyez, il y a quelqu'un qui vient de débarquer.
Attends, on va sortir le fusil à pompe. Ah putain, je suis mort. Ah putain. Chaud, chaud, chaud quand même. Ok. Ouais, le... Alors... Comme je disais, il y a des créatures, bizarres dans le monde, basiquement. Hein. Donc là, par contre, c'est la première fois que je me fais attaquer par des créatures aussi puissantes comme ça. Alors, est-ce que du coup, je vais à nouveau y avoir droit ou pas? Parce que c'est pas obligé, c'était une rencontre aléatoire. Hein, a priori, ça a l'air bon. Cette fois-ci, du moins, j'ai pu aller plus loin. Ah tiens, d'ailleurs, il y a une ville ici. On peut peut-être aller y faire un saut plutôt que d'aller à l'autre. Hein, si jamais je veux faire un saut chez le marchand pour vendre un peu ce que j'ai dans mon inventaire. Première fois qu'on va venir dans cette ville, du coup. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que je dois faire décoder le message que j'ai auprès, genre, de la poste du coin, le postier qui est le décodeur de messages. Mais est-ce que je peux le faire à n'importe quel poste, en fait? C'est un peu la question qui se pose. Et pareil pour les primes. Non, c'est la prime, c'est au shérif de Gracle. Donc, il faut vraiment que j'aille au shérif de Gracle. Alors, qu'est-ce qui se... Ok, donc on a un vendeur de flingues. On a deux baraques à moitié construites. On a... Ça, c'est quoi, ça? Des adeptes. Sanctuaire des esprits. La Gazette de l'Ouest, on l'a déjà lu, donc c'est juste un message. Ok, donc il y a le reste de la ville là-bas, en dessus du pont. Et donc dans chacune des villes, on a un forgeron. Donc le forgeron, je vais vous montrer vite fait. Ça permet, si on se met à la forge, voilà, j'ai récupéré des pépites d'or. Ça me permet du coup de les fondre pour les transformer en lingots. Et soit je peux effectivement les... Ah ben non, ça m'a transformé le lingot en pépite, et pas l'inverse, pardon. Et je peux soit du coup le vendre pour gagner du fric. Ici je peux recruter d'ailleurs des mercenaires pour m'accompagner en forme de compagnon. Là le mec que j'ai avec moi c'est l'adjoint de la police du premier de la première ville. Ici on a une auberge où on peut prendre aller dormir. Alors aller dormir ça remplit à 100% la barre violette qui est à droite de l'écran, en bas à droite. La ville est grande en plus, il y a plein de trucs. Mais on va faire un saut au magasin, voir s'il n'y a peut-être pas des trucs qu'on peut vendre. Ah bien entendu, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut y aller de nuit ici pendant que les gens dorment et essayer de les cambrioler. Donc il y a plein de façons différentes de jouer au jeu, parce que même pour les combats, vous pouvez y aller comme un bourrin avec votre carabine et votre fusil à pompe et essayer de défoncer tout le monde. Vous pouvez essayer sinon de vous faufiler. Vous glissez derrière les gens pour les assommer discrètement et vous pouvez les porter pour aller les cacher dans les herbes hautes par exemple. Et genre il faut pas que les ennemis vous voient. Et ça a un côté un peu la Metal Gear si vous voulez. Donc c'est, il y a vraiment, il y a plusieurs, pour chaque quête pour l'instant que j'ai pu faire, il y avait plusieurs façons d'aborder le truc. Par exemple, la quête de prime que j'ai fait, je devais soit tuer la cible, soit la capturer. Donc ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai tué tout le monde, mais j'aurais très bien pu essayer de m'arranger pour me faufiler et juste attraper le mec et m'enfuir sans que personne me remarque, quoi. Nous avons une sélection d'articles de premier choix, voyons voir un petit peu ce qu'il a. Donc lui, il peut nous vendre. Alors les pioches, alors ça c'est un truc intéressant, c'est que les pioches permettent de miner des ressources dans le monde, en fait, hein, normal. D'ailleurs, on va vendre notre camelot déjà. Ah, ça fait du bien. Et la pelle permet de déterrer des trucs dans le sol. Donc, sachant que les minerais que vous pouvez récupérer vont vous servir principalement à améliorer vos armes, en fait. Par exemple, j'ai un pistolet, le Quick Iron Sharp de cuivre. Si j'avais de l'argent, je pourrais le monter à 3 étoiles, en gros. Vous voyez, donc c'est un peu un pistolet plus 1. Par contre, mes autres flingues sont des flingues 1 étoile de base. Donc c'est un peu un niveau de qualité, slash rareté, slash du coup puissance. Et la seule arme que j'ai pas d'ailleurs, c'est l'arc et les flèches. J'aimerais bien peut-être en récupérer une pour pouvoir tuer des gens à distance sans faire de bruit. Parce que après, avec le pouvoir que j'ai là qui fait du... Le X sur X là en bas à droite, ça permet de faire mon prochain tir qui soit silencieux. Et donc c'est très très sympa pour éliminer des gens à distance sans qu'ils me gaulent. Donc si on regarde, voyons voir, est-ce que j'ai assez de thunes? Ah merde, j'ai 295. Alors si j'ai que 295, on pourrait faire un saut. Ici il y a une banque. On peut aussi acheter un cheval. Pour l'instant je me balade assez lentement sur la carte du monde parce que j'ai pas de cheval. Mais le problème c'est que le cheval il coûte un peu cher. On a du coup ici le tableau des primes. Il nous permet de choisir des nouvelles primes à éliminer, et donc ils vont nous dire à quel endroit ils se trouvent. Donc dernière apparition, refuge de l'aigle, c'est un membre connu des Stillwater. Donc les Stillwater, c'est les mecs qui ont tué notre fils au début de la partie dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc on pourrait prendre la quête pour essayer de la faire. D'ailleurs c'est... Alors il faudrait que je me soigne déjà. Pour me soigner... Alors pour se soigner, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut soit se nourrir, soit on peut... Attends. Ouais. Par exemple, je prends le cactus là. Hop, ça me soigne.
Bon, c'est pas grand chose, mais quand on loot des endroits où il y a des ennemis, on peut trouver de la nourriture à récupérer. Et la nourriture, ça permet de se soigner, basiquement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, donc là, je me mets en mode fufu. Et en mode fufu, je peux me cacher dans les herbes. Et hop, je suis invisible. Alors, j'ai l'impression que le jeu compte pas trop le positionnement de ton compagnon. Parce qu'il m'est arrivé à un moment donné où j'avais mon compagnon qui était au milieu de la pièce derrière moi. Pendant que moi, j'étais planqué derrière la porte. Et il y a des mobs ennemis qui sont rentrés. Ils sont passés devant le compagnon et ils ont pas donné l'alerte. Donc je pense que les mecs, ils ne repèrent que ton personnage à toi pour éviter que l'IA fasse n'importe quoi, en fait. Sinon, ça serait beaucoup trop pénible. Donc le truc, c'est que si je rentre en ville, je vais récupérer 100$ avec la prime au shérif de Gracle. Un truc qu'on pourrait faire, d'ailleurs ça c'est le shérif, non c'est l'adjoint au shérif. Ouais, ok, donc ils ont rien à nous dire de spécial. Ouais, je vais voir le marchand d'armes parce que je devrais pouvoir lui vendre certaines armes que j'ai lootées sur des mobs. Hop. Voilà. Donc ouais, alors par contre, je gagne pas beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut améliorer. On devrait pouvoir améliorer ça. Pour moi, ça va me faire de la place. Foudre en bouteille, ça je vais garder. La dynamite aussi. Alors un autre élément qui est vraiment très sympa, qui me faisait penser à comment s'appelait ce jeu déjà. Divinity Original Sins. Vous savez, dans Divinity, vous aviez la possibilité de comboter des pouvoirs pour donner des effets avancés sur le champ de bataille. Bon, par exemple, dans ce jeu, ce qu'ils te disent, c'est que tu peux... quelqu'un qui est mouillé, donc quelqu'un soit qui a été mouillé parce qu'il a été trempé à cause d'un conteneur d'eau, soit parce qu'il a marché dans une rivière, est plus sensible aux dégâts de foudre. Ce qui est logique, tu vois. Mais le jeu le prend en compte. Des fois, il y a des barriques. Oh, une sorcière sur la route. Une femme étrange vous attend comme si elle savait que vous alliez venir. On va aller la voir. Allez. Je vais faire une sauvegarde rapide, par contre. Ah, je peux pas faire une sauvegarde rapide, c'est grisé. Dommage. Et ouais, comme je disais, du coup, on peut combiner avec des trucs qu'il y a dans l'environnement pour faire plus de dégâts aux ennemis. Alors, tu as changé d'apparence, je vois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que je vais pas... Sorcière des étendues sauvages. Ethan. Bonjour, Jeanne Belle. C'est bien ça? Regardez-moi ça. Le revolver sur la hanche, le chapeau. C'est très convaincant. Il demandait qui elle est. La chasseuse de primes qui cherche des réponses. Tu es à fond dans le personnage, j'adore. Mais je dois dire que tu as l'air secoué. Aurais-tu perdu quelque chose par hasard? Lui parler de votre mari disparu. Ah oui, le mari disparu. C'est vrai que c'est désespérant, c'est même une tragédie, si je peux me permettre. En parlant de drame humain, j'aimerais savoir ce qui te fait vibrer. Et mettons une hypothèse. Imagine, tu te retrouves face à face avec une femme qui t'a fait du tort. Et pas des petites broutilles, mais un tas de saloperies. Tu recherches cette femme depuis des mois, des semaines, des années. Un jour, tu la retrouves, tu vas pouvoir te venger. Mais avant de le faire, tu apprends la vérité. Elle avait une bonne raison de te faire du tort. Tu étais cruelle et méchante, en vérité, tu méritais ce qu'elle t'a fait. Voici ma question. Cette femme t'a fait du tort, mais tu le méritais. Maintenant que tu l'as retrouvée, que fais-tu? Implorer son pardon pour votre cruauté. Le pardon, hein? Je m'attendais pas à ça. Ma curiosité est satisfaite, je vais te laisser partir, mais avant, prends ça. Je pense que si on avait dit l'autre truc, elle nous aurait attaqué. C'est une boîte, mais pas n'importe quelle boîte. Boîte de Eden. Surveille-la bien pour moi. Plus tard, je te demanderai de me la rendre. D'ici là, elle doit rester fermée. C'est tout ce que je te demande. C'est ici que nos chemins se séparent, Jeanne Bell. N'oublie pas, quoi qu'il arrive, n'ouvre pas cette boîte. Au revoir, on se reverra bien assez tôt. Bon, mystérieux. Donc ça, c'est la fameuse boîte. Elle vous a dit de ne pas l'ouvrir. Si j'appuie sur A, ça risque de l'ouvrir. On va pas le faire, du coup. Bon, et à chaque fois, du coup, voilà, on est sur une petite zone de rencontre. Je sais pas si elles sont générées aléatoirement ou pas. En règle générale, elles sont pas très très grandes. Des fois, genre, on se fait attaquer par des coyotes, ou comme vous avez vu tout à l'heure, on s'est fait attaquer par des sirènes. La carte a l'air assez grande, quand même. Pas absolument immense, mais quand même correctement assez grande, quoi. Et comme je disais, si on avait un canasson, on irait beaucoup plus vite pour se déplacer. On peut trouver des chevaux, genre par exemple au Claude Greenwood, on a trouvé un cheval qu'on a volé. Et quand on vole un cheval, en fait, on peut faire un voyage avec. Et quand on arrive à destination, le cheval s'en va, en fait. On peut pas le garder. Il faut vraiment acheter un cheval pour pouvoir se déplacer à d'autres chevaux de façon permanente. Après, je pense pas qu'il faille valoir acheter plusieurs chevaux si on a plusieurs compagnons. Donc si vous voulez, il y a un peu un côté... c'est pas réaliste dans le sens où j'ai deux compagnons, je devrais avoir du coup deux chevaux. Non, c'est tu prends un cheval, c'est bon, ça te permet de te déplacer à cheval, basiquement. Hop, allons-y.
Ok, donc on est à Grekkel. Et c'est le huitième jour. Donc voilà, pour les chevaux, par exemple, c'est ici que ça se passe. Et on a juste à l'acheter, par exemple, pour 279. Donc on a les sous, mais je voulais garder mes 300$ pour aller déchiffrer le message des Stillwater, pour avancer dans la quête. Donc, sachant qu'on est la nuit. Alors, le truc qu'on peut faire, si on veut se régénérer un peu, on fait un saut au saloon. On va à l'étage, on va dans un lit, on se repose. Ça nous soigne, ça nous régénère le truc. Et on peut aller voir le shérif, du coup. C'est ça. Donc ici aussi, on a un tableau des primes. Si on regarde ce tableau des primes, hop, il y en a à nouveau 3 et c'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure à l'autre village. Ça, c'est intéressant à savoir, du coup, ça doit être les mêmes primes à un certain moment donné. Donc ça, c'est le shérif, qui est notre ami au début de la partie. Qu'as-tu appris? Lui montrer le relais codé. Tu as trouvé un message des Stillwater, t'es rapide dis donc. Un employé de relais pour la... Ouais non, ça j'en ai déjà parlé, c'est pas ça que je voulais dire. C'est réclamer la prime. Pas trop difficile j'espère? Tiens voilà la prime. Ok, plus 100$ et ça nous augmente notre réputation. Donc on peut avoir de la réputation si... Parce qu'en fait on va croiser des gens dans le jeu qu'on peut aider. Et si on les aide, ils deviennent des amis fidèles. Et ces amis fidèles, vous l'avez vu tout à l'heure juste avant qu'on meure. Si jamais on est dans un combat où le combat se passe mal, cet ami fidèle peut apparaître soudainement, genre c'est le Deus Ex Machina qui vient t'aider pendant le combat. Donc c'est et actuellement, alors les amis fidèles, je sais pas où est-ce qu'on les voit. Je sais pas où est-ce qu'on les voit par contre, c'est dommage. Ouais, j'ai pas dépensé les trucs encore, j'ai pas encore regardé en détail ce qu'il y avait. On va reparler du coup à l'employé du relais. Bonjour, je peux vous aider? Oui, payez le décodage du relais. Ok, merci, je vais vous faire ça en deux coups de cuillère à peau. Ça me rappelle quand j'étais au bal du verger et que j'ai décodé les relais des chiens de Gavan. Bon, codex spécial, je vais traduire ce bout par les flots, c'est pas simple. Donc ça prend un peu de temps. Ah, voilà, c'est fait, ça me donne la chair de poule. On dirait que ton mari faisait partie d'une livraison de bétail. Parce que comme je dis, les mecs c'était un peu des cannibales. Ils les ont emmenés à Galen's Crossing chez le maire Wix. Je n'irai pas fouiner là-bas à ta place, à moins que tu aies envie de finir 6 pieds sous terre. En tout cas, voici la traduction. Merci de votre confiance. Alors, Caroline Stillwater de Greedwood Run, Shelby Cross de Censuré, rassemble nos meilleures têtes de bétail et amène-les-moi dès que tu as réglé tes affaires avec le maire Wix à Galen's Crossing. Je meurs de faim. Donc apparemment, il y a tout un truc avec des cultes. Il y a tout un truc avec des cultes, des choses vachement bizarres et c'est très mystérieux et ça a l'air très intéressant. Et donc du coup c'est ici que se trouve Galen's Crossing. Donc on va y faire un saut. Je pense pas qu'on va... Je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps quand même, mais j'aimerais au moins vous montrer un vrai combat plutôt que celle où je suis mort bêtement tout à l'heure. Ok, donc la question c'est... Aventure annexe. Votre histoire n'est pas la seule qui se déroule dans l'Ouest. Examinez les environs quand vous pénétrez dans un nouvel endroit. Vous trouverez parfois des gens qui ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux. Ouais, c'est les quêtes secondaires. J'en ai déjà fait une ou deux. N'oubliez pas d'explorer les lieux secondaires que vous trouverez sur la carte de voyage. De nouvelles aventures vous apporteront plus d'argent, ce qui vous permettra d'acheter les meilleurs équipements dans les magasins. Le tuto est vraiment pas mal. Le jeu est en français. La traduction française est très correcte. Donc pas de problème de ce côté-là. Bon alors, déjà ce qu'on va faire c'est une petite sauvegarde rapide. Alors, c'est la maison du maire Wix, pas un abreuvoir. C'est à quel sujet? Demandez à parler au maire Wix. Ne signe pas d'autographe étrangère. J'hésite à lui montrer le relais. Parce que ça risquerait de sonner la garde, l'alerte peut-être. Va te promener ailleurs, fous le camp. Ok. On va jeter un oeil à leur boîte aux lettres. Qui sait que le gros bras qu'on a surpris en train de rôder près de Bosch Creek, c'était un de tes hommes? Devons-nous faire appel aux autorités? Je préférais que le shérif reste en dehors de ces discussions, à toi de jouer maire. D'accord. Alors le truc qu'on va faire du coup, c'est qu'on va jeter un coup d'œil autour de la propriété. Alors déjà il y a un cerf là, on pourrait chasser si on veut. Alors est-ce qu'il y a un trou dans un mur quelque part? Alors il y a une autre porte là-bas par exemple. Ici, c'est quoi ça? C'est un... On a une espèce de cimetière, on dirait. Non.
Ouais, c'est Andrew Wicks et Edward Wicks. Donc c'est la famille Wicks. Maison funéraire sol rouge. C'est quoi? On va ouvrir leur tombe. Parce que moi je suis comme ça. Une corne de bélier, d'accord. Attends, elle est en étain, remarque. Ça vaudrait 12 dollars ça, je vais le prendre. Et si je regarde dans les tombes de Andrew Wicks. Ouais, il y a juste ses ossements. Non, mais des fois, il pourrait y avoir des trucs intéressants d'enterrer, on sait jamais. Hein. Genre, une étoile de shérif, tiens. C'est-à-dire que la famille Wicks a été shérif à un moment donné par le passé. Alors, on a des caisses vides. Ouais, ça a l'air d'être vide, ça. Il y a des paquets de pots qu'on pourrait porter. Non, la barrique est vide aussi. Ok, alors il y a une fenêtre. Alors on pourrait peut-être passer par la fenêtre pour pénétrer dans la propriété. Viens voir. Oui. Alors, je sais pas trop s'il y a quelqu'un dedans. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un dedans. Intrusion. Certaines zones privées ne peuvent être explorées librement. Si vous faites une intrusion dans une zone, vous aurez droit qu'à quelques avertissements avant que les autorités viennent vous arrêter. Sauf si... Alors, on a une amulette d'adrénaline. Alors là, c'est du vol, par contre, si on les prend. On a des clous. Des munitions, je vais les prendre. Alors le problème c'est que... On va peut-être essayer d'aller... On va finir de faire le tour déjà pour scouter un peu la zone. Donc là, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose d'autre mis à part cette, la possibilité de rentrer par la fenêtre à l'arrière. Il y a des cailloux de ce côté-là qui ont l'air de nous empêcher de passer. On peut grimper quand même au final. Est-ce que si je monte sur le toit, il se passe quoi? Ouais, je suis dans une zone interdite, d'accord. Donc on va rester. Oh, il y a quelque chose là. Une boîte de faillot. Une casserole qu'on peut allumer. Alors on peut faire du. Comment ça s'appelle? La cuisine. J'allume la casserole. On peut cuisiner. Et du coup, si j'ai des trucs de base dans mon inventaire, ça me permet de cuisiner. Oh putain, je suis dans les flammes, quel idiot. Ouais, mais le problème, c'est que. Je me suis foutu le feu. Il n'y a pas d'eau du coup qui traîne. Attends, si je fais ça. J'ai prévenu le marshal que tu traquais Shelby Cross. Ça l'a beaucoup intéressé. Il a dit qu'il viendrait ici et qu'il aurait réglé une affaire. Je te l'enverrai quand il sera arrivé. Ok, si on retourne à Galen's Crossing, est-ce que je suis toujours en train de brûler? C'est le truc un peu con du coup. Non, c'est bon. Puis en plus on est revenu au départ, d'accord. Donc si on allait... Alors... Ok, c'est à lui que je peux parler. Lui montrer le relais. Ah, un document, il me paraît en règle. Tu sais même pas ce que ça dit. Mais si... Ah, il sait pas lire, mais si. On pourrait te montrer un imprompt que tu laisserais les gens entrer. Heureusement, je peux voir d'ici que c'est un relais des Stillwater. Va te faire noyer, Heather. Tu sais ce que c'est une vraie teigne. Si tu viens pour le bétail, suis-moi. Le bureau du maire est par là et ne t'éloigne pas. D'accord, en fait, on se... Ok, on peut se faire passer, en fait, pour les mecs des Stillwater. Donc, c'était pas la peine de faire le tour et essayer de pénétrer de façon indirecte. Bien qu'on aurait pu le faire. Mais il y avait quand même beaucoup de monde dans la propriété. Donc, j'aurais eu peur de faire une boulette, en fait. Attends, je sais pas ce qu'il fait notre compagnon derrière... Ok, donc c'est ça, ça c'est le maire. Major Galen Wicks. Ça alors que Yeb m'emporte, la chasseuse de primes. On m'a beaucoup parlé de toi, je ne voudrais pas me retrouver du mauvais côté de ton revolver. Tu as envie de te venger, hein? Que puis-je faire pour toi? L'interroger sur votre mari disparu. Ton mari, oui, j'ai peut-être des informations, mais je suis un homme d'affaires, tu sais, ce ne sera pas gratuit. Lui demander ce qu'il veut. Il y a une ferme au sud-est d'ici, la meilleure terre de la vallée, parfaite pour le tabac, mais ils ne veulent pas vendre. Tu pourrais peut-être m'aider? Si tu peux te procurer le titre de propriété de la ferme Brush Creek, je te dirai ce que je sais sur ton mari. Alors, marché conclu. Menacer lui soutien. On va essayer d'utiliser la violence.
Ah, pourtant, avec tous les hommes qui m'entourent, tu crois que des menaces seraient raisonnables ? Réfléchir. Ça demande de la réflexion, hein, vu que ton mari est entre les mains de cannibales. Haha ! Ok. Alors... Est-ce qu'on accepte ou on a pas l'air d'avoir beaucoup de choix ? On va accepter. Très bien. Reviens quand tu auras le titre de propriétaire et tâche de faire vite. On dit que les Seawater sont affamés en ce moment. Ok. Donc, allez à la ferme de Bush Creek pour le maire Wix. Je suis à peu près sûr qu'il y aurait... Vente aux enchères de tabac. Tabac royal de Wix à vendre aux enchères d'une valeur de 275 muids. La vente commencera à 9h précis sur la place de Citon le 12 de ce mois. Les échantillons seront disponibles au magasin général 2 jours avant la vente. Vente aux enchères de tabac, c'est un truc de quête apparemment qui a été mis à jour. Alors c'est où du coup? Putain, c'est loin au sud en plus. Ferme de Bush Creek. Alors juste, ouais, vu la durée de la vidéo, je vais... On va retourner à l'endroit où j'étais avant parce qu'il y a des ennemis normalement qui sont là encore. Je vais vous montrer un petit peu de combat et on va probablement s'arrêter là après. Donc on va se mettre en fufu. Cimetière, vous avez fait un carnage dans un endroit qui était autrefois accueillant. Les cadavres de vos victimes seront déposés dans le cimetière local lorsque vous aurez quitté les lieux. Vous pourrez piller leur tombe et récupérer le butin qui a pu vous échapper la première fois. Ah, intéressant. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des gens on voit directement sur la minimap qui sont en rouge et on voit leurs arcs de vision. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la grange. Vous voyez aussi qu'il y a des barriques de produits chimiques. Si on utilise du feu là-dessus, ça explose, par exemple. Alors. Ah putain, quel con. J'ai plus ma carabine. C'est pas grave, on va y aller en mode... Je peux me mettre derrière la barrique. Vous voyez, je fais le saut. On recharge. Ok. On se planque dans les fourrés. L'autre là-bas, ils ont rien entendu, ils ont rien vu. On a le vautour qui vient se nourrir sur le cadavre. C'est assez marrant. Ok, on va courir. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'occuper de lui. Ah, parce qu'il y a l'autre là qui est de dos. Si j'avais eu ma carabine, j'aurais pu utiliser mon pouvoir de truc pour le tuer à distance discrètement en fait. Mais je peux pas le faire malheureusement maintenant. Voici, on va grimper sur le toit. Là, vous voyez mon compagnon qui est juste derrière le mec en bas là. Et alors d'ailleurs l'autre il a l'air d'être rentré à l'intérieur du bâtiment. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut se faufiler derrière. Hop, on le stun. On le transporte. Et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut s'équiper de la machette qui fait des dégâts de mêlée. On vient le poser parce que là il est uniquement stun. On vient le poser là par exemple. On sort la machette. Et on le tue pendant qu'il est stun au sol. On récupère du coup ce qu'il a sur lui. On va en profiter pour aller looter les deux autres. Comme ça on récupère des flingues et des thunes à les revendre en fait. Et alors on voit qu'il y a un mec aussi qui est à l'extérieur qui fait patrouille. Mais sinon on a à l'intérieur. Alors un truc qu'on peut faire pour essayer de s'occuper de lui, c'est qu'on a une fenêtre là. Donc on peut se faufiler par la fenêtre. On arrive derrière lui. Hop. On le stun. On l'élimine. Alors, quand on tue le dernier mec qu'il y a dans les environs. En plus, c'était un ranger des Steelwater. C'était pas juste... d'accord. Quand on tue le dernier mec des environs, il y a cette espèce de... T'as la clé de la clave. Et ça, c'est la Gazette de l'Ouest du 10 janvier. Alors, la loi célèbre devant la justice. Ok. Alors, j'ai l'impression que les actions qu'on a dans l'univers,
Genre le fait de tuer un hors-la-loi ou ce genre de choses, ça a des impacts derrière. C'est assez intéressant. Il y a des cartouches ici. Là, on a aussi des clous et un marteau. Et on peut du coup passer par là pour ressortir. Et alors, on sait qu'il y a un mec pas loin là-bas. Voilà. Il va juste falloir faire gaffe avec son champ de vision. Pas sûr qu'il nous gaule si on vient... Ouais. Hop, on va se planquer dans les forêts. Et alors qu'est-ce qu'on a sur nous? On a le fusil à pompe, on a la dynamite à fragmentation. Ok, donc là le truc c'est que... Ouais non, je suis trop près de son champ de vision, donc on peut juste patienter. Et on peut genre juste sortir le fusil à pompe par exemple, comme ça au moment où il va nous passer à côté on l'allume. Là par exemple, il est juste devant nous. Alors, par contre il est hors de portée maintenant. C'est vraiment, c'est très sympa. Et on peut même du coup passer... On aurait même pu passer, je pense, par cet arbre pour rentrer à l'intérieur. Bon bref, on a éliminé tout le monde. Faudrait que je me soigne et que... etc. Mais voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu de combat slash infiltration. Comment est-ce qu'on peut du coup y aller, on va dire, avec souplesse au lieu d'y aller comme une brute. Et donc, je trouve ce jeu vachement intéressant pour toutes ces mécaniques qu'il y a. L'inventaire est un peu petit, mais je crois qu'il y a des compétences pour l'augmenter plus tard. Mon reproche un petit peu, c'est que il n'y a pas vraiment de création de personnage. Apparemment, notre personnage, j'ai l'impression, parce qu'on voyait, il y en a ces espèces de formes et qui ressemblent à des formes bestiales. Donc, je pense que ça doit avoir un lien avec comment les choses évoluent plus tard dans le jeu. Donc, je ne veux pas spoiler quoi que ce soit. J'en ai pas la moindre idée. C'est des pures spéculations de ma part. Mais je pense que notre personnage ne va pas rester comme elle est pour l'instant. Parce qu'avec tous les trucs occultes qu'il y a, c'est presque de la magie noire qu'il y a dans ce jeu, quoi. Et après, sur les compétences, voilà, on peut débloquer des nouvelles compétences. Les ennemis qui vous entourent peuvent devenir vos alliés, réactiver pendant 6 secondes, le temps ralenti, mais vous déplacez plus vite. On a différentes compétences au fusil ou au revolver qui permettent de recharger plus vite ou de tirer plus vite sur l'ennemi ou de bypasser l'armure, on va dire, des ennemis, etc., etc. Sur les talents, on a des trucs pour réduire les prix, pouvoir sauter plus loin, prendre moins de dégâts de chute, etc., etc. Donc on a vraiment une espèce de d'action RPG à la western avec une sauce d'occultisme, une histoire qui fait assez peur, enfin qui fait peur, non, mais qui est assez glauque, on va dire plutôt, dans un univers d'accord d'ailleurs qui est vraiment très space. Avec un environnement, enfin avec un jeu qui a graphiquement qui est assez sympa, avec le côté cel shading un peu, c'est très joli, c'est très agréable, c'est très prenant. Vraiment, les deux heures que j'ai passé dessus avant de vous faire cette vidéo, j'ai fait ça, c'était avant-hier, je me suis vraiment régalé. Le jeu est très très sympa, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Peut-être que j'en referai encore un peu en live sur Twitch. Je planifie pas de faire de let's play sur YouTube parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui est très long et j'aurais pas le temps malheureusement de le faire. Mais il a vraiment... Je vais me le garder installé et je pense que je vais y retoucher dans les semaines à venir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch et vous verrez plus là-bas. Donc voilà, merci à tous du coup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.